On était comme Toulouse de Duprat à la dernière journée de Ligue 1. On a fait les choses comme il faut là. Et vendredi, donc, on a rebondi samedi. Samedi, on a changé le dispositif tactique. On a plus misé sur l'axe. C'est-à-dire que dans l'axe, on a mis trois piliers, d'accord. On a mis en pointe Falcao, Didier Yann. On a mis. Comment il s'appelle ça? Christophe, on a mis Mbappé en pointe, mais on lui a dit Kylian, joue de l'avant, décompresse, joue ton vrai jeu. Le vrai jeu c'est quoi le vrai jeu? C'est de se lâcher dans le football. Donc c'est comme ça qu'il fallait faire. Et donc on a fait un samedi énorme parce qu'on est passé par les côtés. On a mis le coach il a dit il faut passer par les côtés parce qu'il y a une faiblesse. Là, il y a une faiblesse sur les côtés, ils ont l'arrière gauche, ils défendaient pas à gauche. Donc, du coup on est passé par la droite et on a fait un gros samedi. On a fait un dimanche bien comme il faut. Et finalement à l'arrivée c'est quoi? C'est qu'on a commencé, on était le TFC et on a fini, on est l'AS Monaco avec Mbappé, Lemar, Falcao. De quoi ça s'appelle? Je m'en rappelle jamais. Voilà. Et on a Arnaud Jardim, Portos. Mais bon, voilà, on a fait une grosse feria, une belle feria. Et je pense que dans les années à venir, je pense qu'on peut aller titiller les gros comme le Barça, le Bissoirésien et les Qataris. On va aller chercher parce qu'il y a les moyens et les capacités. Il y a un groupe de qualité. Ils s'entendent tous bien les mecs, donc ils ont envie d'avancer ensemble, ils veulent faire quelque chose. Je le sens, tu sais que la mayonnaise elle a pris là, tu sais que, tu vois, là, il y a au lit la mayonnaise, je veux dire, ça a pris, c'est quelque chose que tu peux pas oublier, tout comme ça. Donc on va se souder, et si tu veux on va passer, parce que la grosse faiblesse c'est les côtés, donc on va arriver, on a changé les dispositifs, on était à 3-6, le coach il adore jouer à 3-6. 3-6 avec 10 et après voilà, il y a deux attaquants, un joueur de papier et Adam Falcao, parce que tu sais que c'est mort. Mais bon, je suis content et j'espère que l'année prochaine on pourra mettre la tunique de Manchester City avec Pep Guardiola, les couilles, Agüero et tout ce qui suit. Donc l'année prochaine je pense qu'on peut mettre le maillot bleu de Manchester City. Allez, à l'année prochaine.